Nous allons au standard. Nous allons au standard prendre la question. Très bien. Elle est connectée, elle est bien connectée maintenant. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans sa sainte présence. Yes. Je suis le frère Junior à la technique, c'est toujours grâce. Qui est à l'antenne? Le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma question est de savoir, lorsqu'on va au devant du Seigneur pour lui adresser une prière. C'est qui d'abord? Qui parle là? C'est qui ici? C'est bon, grâce. Hey, grâce T. Douala. Grâce T. Douala. Grâce T, n'est-ce pas? Non, grâce. Ah, quelle grâce? Quelle grâce de Douala? Grâce du frère Patrick. Lorsqu'on va devant du Seigneur pour lui adresser une prière, une préoccupation ou un besoin, des fois on voit l'exaucement de la prière parfois retardé. Je veux savoir s'il y a des obstacles, non? C'est quelque chose qui empêche le Seigneur d'exaucer la prière. Ou alors, c'est ce que je veux savoir s'il y a des obstacles à l'exaucement d'une prière. S'il y a quelque chose à modifier ou à changer pour être agréable aux yeux du Seigneur avant de lui adresser une prière. Alors, disons par exemple, prenons un exemple par exemple des prières que tu as faites comme ça, puisqu'il s'agit de ton cas, et puis on voit au cas par cas pour voir de quoi les questions, afin que je réponde de façon générale, d'accord? Allons-y, par exemple. Par exemple, pour le caractère, le cœur, changer le cœur. Lui être agréable dans la vie de tous les jours, autant le caractère, la façon de se comporter avec les frères et sœurs, de mettre sa parole en pratique. Alors, il ne faut pas confondre les habitudes avec le caractère, d'accord? Pardon? Il ne faut pas confondre les habitudes avec le caractère, d'accord? Les caractères ne se changent pas en prière. Ça se change dans les forces des choses, dans la vie au quotidien. D'accord. Il y a des points. Enfin, concernant les sujets de prière proprement dit, il y a des obstacles à la prière. Alors, je t'invite d'écouter sur Bamba Iba la prière fervente des justes. Avec une grande efficacité. C'est première, deuxième partie. D'accord. Les obstacles à la prière, ils peuvent en être. Il y en a nombreux. Prends. Tu as la Bible avec toi. Oui. Ouvre rapidement, là maintenant. Jean chapitre 9. Rapidement. Avant que nous allions par la suite, nous allons aller au standard, prendre les questions des gens. Questions des gens qui sont venus. Jean chapitre 9, lis le verset 30. Oula. Est-ce qu'on l'a perdu? Elle est encore là? Elle est là. Je crois bien qu'elle est là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est terrible avec ces connexions. Pour t'adorer. Dans cette studio, on va lire Jean chapitre 9, verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 9, verset 30. Cet homme leur répondit : il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset suivant. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Encore verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Très bien. Verset 9 du chapitre 28 des Proverbes. On peut concorder cela avec le livre d'Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni assez, ses oreilles assez dures pour entendre. Ce sont nos crimes qui créent une séparation entre eux. C'est ça qui est un obstacle. Ce sont vos péchés, vos mains se souillent du sang. Dans le livre des Proverbes au chapitre 28,
Le verset 9, qu'est-ce que ça dit? Madeleine, est-ce que vous avez déjà trouvé? Madeleine n'a pas encore trouvé. Elle est de la tête dans l'anniversaire. Tellement avec la joie. Madeleine ne veut pas nous lire la Bible aujourd'hui. Chapitre 28, verset 9 des Proverbes. Qu'est-ce que ça dit, Madeleine? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Très bien. Donc, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, la personne s'y pêche en priant. Donc, c'est très grave encore. Donc, si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, on parle, il ne veut pas écouter, qu'il ne parle même pas prier. Alors, dans ces conditions, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. La seule prière qui peut être écoutée de Dieu, c'est la prière de repentance. La prière de repentance. Que le Seigneur te bénisse.